Aujourd'hui, le Move revenait au Bercail. La radio publique dite jeune a quitté la ville rose où elle est née en 2001. Je vous répondre d'une manière très démagogique. Je suis très heureux d'être à Toulouse, ce qui est vrai. Et ça changera du tout rien au fait qu'effectivement, le Move est rapatrié à Paris. Ça a été une décision qui a été prise pour des raisons que j'ignore. J'étais pas là à ce moment-là, mais j'imagine qu'ils sont liés à l'économie de la station. La station est au plus bas dans les sondages. Le but de la nouvelle direction est de remonter la radio à un point d'audience en lui trouvant une réelle identité. Si on devait ressembler à quelqu'un aujourd'hui, on ressemblerait peut-être aux un rock en moins parisien. Avec quand même une base culturelle autour du monde du rock, qui est très très large. Le rock aujourd'hui, c'est plus seulement la musique du rock. Je veux dire, si j'écoute, comme ce matin sur la station, Lil Wayne et Mary J. Blige, on n'est pas exactement dans le monde du rock, mais culturellement, on est quand même dans un monde qui est semblable. La concurrence directe aujourd'hui, c'est Internet. Si le Move ne veut pas être une radio morte de plus, elle doit être curieuse et éviter le formatage. Belle fleur et de la chanson avec la sortie du nouvel album des Grandes Manches, ça s'appelle le Bal République.